Jean-Claude, bordel, arrête! Tu vas pas te faire virer comme ça! Et ça te fait rien qu'on soit tous en train de se battre pour toi? Foutez-moi la paix, moi j'ai rien demandé à personne! Mais tu ne demandes jamais rien, toi! Alors tes enfants, là, ils prennent des risques et toi, tu fais rien! Oh, t'arrêtes là un peu! Arrête! Eh oh! Ramasse! T'arrêteras jamais, t'es un minable, c'est ça? Hein? Tu me fais honte! Tu me fais honte, tu comprends? Tu me fais honte, mais c'est pas grave. Parce que la honte, je connais depuis tout petit. La honte d'être ton fils. La honte d'être le fils d'un ouvrier. Puis la honte pour aujourd'hui d'être un étudiant qui a honte d'être fils d'un ouvrier. Mais ça, y a pas de quoi avoir honte, hein? Mais c'est à lui qu'il faut dire ça, c'est pas à moi, c'est lui qui m'a mis ça à la tronche. La honte de sa classe! Je t'ai annoncé une bonne nouvelle, papa. T'es pas viré, t'es mis à la retraite. Et t'es mis à la retraite, c'est pas parce que t'as été un bon ouvrier pendant 30 ans. Ça, c'est une faveur du patron. Un geste qu'il a fait pour moi. Parce que moi, il m'aime bien. Parce que moi, je peux parler d'égal à égal avec lui. Ça, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Tu comprends que ça me dégoûte? Mais je sais, je suis injuste, je sais. Je sais, je devrais le remercier. Je devrais te remercier, toi et maman, pour tout ce que vous avez fait. Tous les sacrifices. T'as réussi. Ton fils, il est du côté des patrons. Je serai jamais ouvrier. J'aurai un travail intéressant. Je gagnerai de l'argent. J'aurai des responsabilités. J'aurai le pouvoir. Le pouvoir de te parler comme je te parle maintenant. Le pouvoir de te virer si je veux comme on te vire maintenant. Mais t'as honte, toi. T'as honte, ça, tu me l'as foutu, là. Hein? Je l'aurai là toute ma vie, t'as honte.